Hey, salutations les copains, j'espère que ça gaze. Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo en plan fixe. Je vais essayer de faire en sorte que ce soit pas trop chiant. Donc aujourd'hui, avec ces deux objets-là, on va parler de consommation, de la norme WLTP et du mensonge sur les consommations et de la réalité des choses. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la plupart des moteurs, enfin tous les moteurs d'aujourd'hui, sont avec turbo. Donc pour les diesels, c'est depuis très longtemps, pour les essences, c'est depuis 5-7 ans, mais aujourd'hui, ça devient vraiment la norme. Alors, pourquoi est-ce que quand on achète une Hyundai Turbo Essence, qui est annoncée pour 5-6 litres au 100, pourquoi est-ce qu'on est à 7-8 litres au 100? Pourquoi est-ce que les données annoncées des constructeurs ne sont pas exactement la réalité? C'est simple. Un moteur atmosphérique, c'est un moteur où l'admission de l'air, c'est-à-dire que quand le piston descend dans la chambre de combustion, il y a une dépression qui se fait, il aspire un volume d'air certain. Après, on a l'injection qui se fait en même temps, la compression, l'explosion. Voilà le principe du moteur 4 temps. Quand on est sur un moteur turbo, en général, on a des moteurs plus petits. C'est-à-dire que le volume admis dans la chambre d'admission va être plus petit, donc la quantité d'essence va être plus faible. En général, on essaie d'être à 16 grammes d'air pour 1 gramme d'essence. Ou 14, entre 16 et 14. Bref. Je vais schématiser ça avec cette petite bouteille et ce rouleau de sopalin. Imaginons que j'ai un moteur, 1 litre. Et ça, c'est le volume du piston, donc le volume qui sera aspiré en air. Quand je suis en atmosphérique, c'est-à-dire que quand j'appuie pas trop sur mon moteur turbo, le piston descend, il aspire ce volume-là d'air, et l'essence y est ajoutée de manière proportionnelle. Sauf que, quand tu tapes dedans et tu conduis comme un goré, en même temps, il faut bien se faire plaisir, et ben en fait, vu que l'air va être compressé, dans ce même volume, tu vas avoir ce volume d'air qui va être admis. Tu vois la différence? Et donc, plus il y a d'air admis, plus il y a d'essence admis. Et encore, ce n'est pas proportionnel parce que pour éviter les phénomènes de cliquetis et de micro-détonation, il faut enrichir le mélange. C'est-à-dire que le mélange n'est plus stoichiométrique, mais est supérieur, donc on dit que c'est un mélange plus riche, puisqu'il y a plus d'essence proportionnellement à l'air. Donc, quand tu conduis comme un pépé, il n'y a pas de problème, le volume d'air est là, le volume d'essence est en conséquence, mais quand tu appuies, eh ben on est là. Et le problème, c'est que les cycles d'homologation européens imposent de faire le 0 à 50 km/h, en environ 40 secondes. Pardon, ça a changé. Le nouveau, c'est 26 secondes. Pour information, une voiture basique, HDI, diesel, une Golf 4, ça fait le 0 à 100 en 12 secondes. Donc faire 26 secondes pour le 0 à 50 km/h, ben c'est totalement irréaliste. Et c'est pour ça que, eh ben on se retrouve avec des valeurs qui sont absolument n'importe quoi. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair avec mon petit flacon et mon rouleau de sopalin, mais ça me paraissait sur le moment le plus intuitif et le plus logique à comprendre. Voilà. Comme d'hab, si vous avez des questions, n'hésitez pas les amis. Pensez bien à vous abonner à la chaîne, c'est important. Si vous aimez la vidéo, vous me le dites. Comme ça, je ferai d'autres petites vidéos de vulgarisation scientifique sur la technique mécanique. Et puis voilà. Je vous dis à la prochaine les amis.